Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur The Legend of Zelda Wind Waker. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les photos à ne surtout pas manquer dans le jeu si vous souhaitez avoir toutes les figurines Nintendo lors de votre première partie et même lors de votre deuxième puisqu'il ne faudra toujours pas oublier cette figurine. Donc je suis dans le temple du vent, donc attention au spoil puisque là je vais vous montrer un sous-boss qui est unique dans le jeu. Vous ne le croiserez qu'à un seul endroit si vous le tuez, que vous le loupez, que vous ne le prenez pas en photo. Malheureusement vous n'aurez pas cette figurine et vous n'aurez pas les figurines à 100%. Donc soyez très prudents, c'est une figurine qui s'oublie facilement. Je vous montre où je suis, mais faites attention aux spoils puisque je vous conseille fortement d'avancer jusqu'à ce sous-boss avant de regarder cette vidéo. Donc c'est parti. Donc voici où je suis sur la map, tout simplement. Je suis au premier sous-sol du donjon du Temple du Vent. Vous voyez qu'on est arrivé par le rez-de-chaussée tout au sud-ouest et du coup je suis dans le hall principal du donjon et je suis au premier sous-sol. Donc c'est à la moitié du donjon environ. Et avant de débloquer justement ce premier sous-boss, il faudra absolument le prendre en photo. C'est vital, essentiel. Il faut pas l'oublier. Donc, sachant qu'il est vraiment pas simple à prendre en photo, vous allez le voir puisque dès le début du combat, il invoque des monstres en fait. Donc, c'est un sorcier spécial demi-boss et il est unique. Donc, vous voyez son design. Celui-ci sera vraiment. Enfin, vous êtes obligé de le prendre en photo. Ne l'oubliez surtout pas. Donc, si vous l'avez oublié, malheureusement, vous serez obligé d'attendre votre deuxième partie pour pouvoir, pour pouvoir tout simplement le prendre en photo. Ce qui est vraiment. Ce qui est dommage tout de même. Donc là, hop, je vais commencer à éliminer quelques ennemis pour dégrossir le groupe. Donc essayez d'éviter de toucher le boss. Donc pour éviter de lui enlever des points de vie et de le tuer malencontreusement, malheureusement. Ce serait dommage. Donc là, hop, j'élimine. Éliminez d'abord les petits ennemis et ensuite passer sur les gros. Hein. Là, vous voyez que j'ai un Dark Nut. Hop. De toute façon, éliminez un maximum d'ennemis, histoire d'être tranquille. Et ensuite, vous essayez de le prendre en photo quand vous êtes peinard. Donc là, il apparaît ici. Là, il va faire apparaître des ennemis. Donc là, vous voyez, j'ai une photo de lui. Alors, le petit conseil que je peux vous donner, c'est de prendre au moins deux photos de sous-boss et prendre une photo du boss. Au moins, vous êtes sûr, si vous avez une photo qui passe pas, vous pouvez faire la deuxième. Donc voilà, donc là, j'en ai une déjà. Là, voilà, j'en ai une deuxième. Donc voilà, deux photos de sous-boss. Donc, une fois ceci fait, vous reprenez votre arc et vous lui balancez des flèches de feu. Ce sera le must pour ce sous-boss-là. Voilà. Vous pouvez commencer à le friter aussi à l'épée, mais c'est un peu moins conseillé. Donc là, hop. Et normalement, si vous vous en sortez bien, trois flèches de feu, je crois, ça suffit à tuer le boss. Il suffit de le cadrer, voilà, de lui balancer trois petites flèches de feu. Là, vous voyez, je suis à deux, hop. Et la troisième. Donc voilà, j'ai deux photos du sous-boss et du coup, c'est nickel. Le coffre du trésor apparaît. Et puis, à vous le nouvel item de ce donjon. Donc voilà, vous voyez, j'ai du coup deux photos de ce sous-boss à ne surtout pas manquer. A la rigueur, si vous loupez le boss, ce n'est pas très grave parce que vous pourrez le reprendre en photo plus tard. Donc voilà, au cas où vous loupez le boss, même si vous voulez prendre trois photos du sous-boss, histoire d'être vraiment 100% safe et d'être sûr de pouvoir le faire en figurine, vous pouvez prendre trois photos de ce sous-boss et laisser le boss pour plus tard pour le reprendre en photo. Donc voilà, là vous voyez, celle-ci est très belle et devrait normalement passer. J'ai bien le visage du sous-boss en question. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo annexe.